Pendant, après les jours les plus sombres du pays, le musée de la campagne contre le génocide rwandais ouvre ses portes. Le 28 décembre 1993, la lutte pour la libération a commencé dans cet immeuble, mais pourtant les parties prenantes étaient sur place pour l'application du traité d'Arusha. Members of the government and members of the peace forming the government. Habyarimana was supposed to be the president. Il y avait des membres du gouvernement, des politiciens, du FPR, et le président Habyarimana était ce jour-là supposé rester chef de l'État. Et les chefs du gouvernement devraient être un membre du FPR et avec d'autres députés former le gouvernement d'union, comme l'exigeait l'accord d'Arusha. Durant 11 jours, l'armée décidée à se débarrasser de la force qu'elle appelait rebelle et les bataillons du FPR se sont affrontés dans cet édifice. Étant pourtant certain que le gouvernement d'alors n'allait pas céder, les politiciens de la paire avaient toutefois pris le risque de venir s'installer à l'Assemblée. Nous, les politiciens d'alors, se disions, en venant, nous allons nous installer au Parlement. Que même s'ils nous attaquent, les Rwandais et les combattants du FPR seront là pour nous défendre. Parce que nous tous vivions la même persécution, les mêmes violations. Nous étions donc prêts à aller au front pour enfin vivre librement. La lutte fut acharnée. Cet immeuble a vécu presque tout le schéma du génocide jusqu'à la libération. La dernière campagne a laissé l'ordre de contenir les attaques du Kankan. Ils ont pu se défendre pendant 4 jours et ils ont eu le support le 11 avril 1994. Vous voyez comment ils étaient entourés par les forces génocidaires. Pour rendre hommage à tous les acteurs de la fin du génocide, l'État rwandais retrace ainsi dans cet édifice tous les actes et faits qui s'y sont déroulés. Une manière de montrer au monde entier le long chemin qui a mené le pays des mille collines sur la voie de la réconciliation, de l'unité et du développement.